Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exceptionnel, j'ai réussi à privatiser l'Action Factory pour toute une matinée. Je suis Clément, je gère la création de contenu pour Center Parcs France et notamment cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous emmène visiter l'Action Factory des Bois Francs, le plus grand Action Factory de France. Allez, suivez-moi. L'Action Factory, c'est une immense aire de jeu en intérieur, en plein cœur du domaine. Franchement, il y a forcément une activité qui va vous plaire. Bon allez, on fait un tour à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça plus en détail. Et vous allez voir, c'est pas que pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, la décoration et la végétation nous lient constamment à la nature. Tout y est pensé pour vous faire sentir comme en plein air. Et ça, c'est très pratique lorsqu'il fait pas beau. Et d'ailleurs, si vous posez la question, oui, c'est des vraies plantes. À l'entrée se trouve le Kids Club, où des activités et des animations sont organisées. Par exemple, vous pourrez créer votre propre peluche à ramener chez vous. Derrière moi, on a le Créatelier. Une pièce tout aussi importante, car c'est ici que vous pourrez confectionner votre propre pain, fabriquer un savon ou participer à des ateliers de saison. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'univers du jeu. Alors, on y va. Plein d'activités sont disponibles en libre-service. Vous allez voir, vous avez l'embarras du choix. Certaines doivent être réservées en avance et d'autres fonctionnent avec un système de cartes. C'est très simple, pour la recharger, il suffit d'utiliser les bornes qu'il y a directement dans l'Action Factory. Vous êtes prêts? C'est parti! On a vu les mini-cars, là c'est le trampoline, allez on continue! Ici se trouve une des activités que je préfère, le Balouba, une immense aire de jeu en intérieur, et il y a aussi son petit frère, le mini Balouba. Alors le Balouba c'est un des grands classiques de Center Parcs, et lui c'est un des plus grands. Je l'ai déjà testé, évidemment dans le cadre de mes fonctions, et c'est vraiment très cool. Une aire de jeu prévue pour que les enfants puissent se dépenser tout en s'amusant dans un univers rappelant la jungle. Derrière moi, il y a le Vulcano qui est très sympa aussi. Le but, c'est de monter tout en haut du volcan et de redescendre comme si c'était un toboggan. Aïe, bon, pas si simple. Mais moi, ce que je préfère en escalade, c'est les climb blocks. Il y a des parcours par niveau, donc le challenge, c'est d'arriver à faire le plus difficile. On a aussi un incontournable des fêtes foraines, les auto-tamponneuses. Nous, on appelle ça boom boom car. De quoi défier vos amis et vos proches. Et pour ceux qui préfèrent une activité moins physique, il y a le mini-golf et un mini-bowling. Et pour finir, un petit tour de carrousel, une photo souvenir. Et voilà, cette visite guidée pas comme les autres se termine. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'Action Factory. En tout cas, sachez qu'on a plein d'autres activités dans ce domaine, comme le bowling, l'aquamundo évidemment, ou bien le Game Town. Si vous voulez réserver un séjour dans ce magnifique domaine qui est les Bois Francs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on a mis dans la description. En tout cas, il y a plein d'autres vidéos très sympathiques sur cette chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et nous on se retrouve très vite.